Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armstrong, on joue ensemble à Inio 2, c'est la 20ème vidéo et on va aller faire la mission principale, oiseau en cage. Donc je l'ai déjà commencé, j'ai déjà trouvé deux Kodama, j'ai essayé hier, je me suis planté complet, donc j'ai tout recommencé. Elle est horriblement dure. Donc là on passe à on monte d'un, c'est plus d'un cran, c'est de 10 crans d'un coup. C'est des passages qui sont... C'est prise de tête à foison, quoi. Vous allez voir. Très bien. Donc on va essayer de jouer au mieux. Sans essayer de se dépêcher, parce que c'est là, généralement, qu'on fait les erreurs. Donc du coup, je l'ai commencé. J'ai pas mal de... Là, je vais pas faire le développement du perso. Je vais essayer de faire ce stage et je me concentrerai plus tard. Donc, je pense que le stage sera en... La mission sera en deux vidéos. Au pire, je fais comme d'habitude, je fais une vidéo avec un bout du stage et une vidéo avec la fin et une petite mission supplémentaire ou développement du perso ou autre, on verra. Donc, j'en profite du début de ce stage pour saluer tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes à qui je suis abonné. Donc leur passer un petit coucou, les remercier pour tout leur soutien et en espérant que tout le monde va bien. Et tout dépend au moment où ils regardent cette vidéo, je leur souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà. Donc là, je viens de casser un baril, ça commence bien, de poison. Donc, je vais aller me purifier en cassant un baril d'eau. Voilà. Ce stage, c'est ouais, c'est vraiment un enfer. C'est un enfer sur terre, ce stage. Il y a des passages où on se fait tirer dessus par des genres de balistes. C'est infect. C'est... Il y a des... On va trouver des nouveaux adversaires. C'est des genres de rats sorciers qui sont effroyablement durs et effroyablement résistants. Alors. Très bien. Donc soit on peut passer tout droit ou on peut contourner. On va... contourner, je crois que c'est jouer, c'est mieux à cet endroit là c'est mieux. Donc pareil, les araignées, nouveaux adversaires qu'on ne connaissait pas, il faut faire gaffe à leur toile qui nous ralentissent. Ça fait le même effet que le talisman du paresseux. On va prendre le glaive un peu d'ailleurs. Position basse. On va les cramer. Donc ce que je disais à la vidéo que j'ai fait de conseil, le glaive pour imprégner les ennemis, c'est top. Parce qu'avec la position basse, on peut vraiment... Bon, le tonfa aussi, bien entendu, mais... Voilà, il nous a ralenti. Bon, là, ça va, c'est une petite... L'effet n'est pas long. Mais là, on est au ralenti, là. Donc même les petites araignées peuvent nous faire... Alors là, si je me trompe pas, il y a un baliste. C'est pour ça qu'on passe depuis ici. Voilà, pour éviter le baliste, donc on va déjà aller tuer le baliste et on fera... Donc lui, il est déjà bien entamé. On le laisse s'exciter tout seul, on le finit. Voilà. Donc là, c'est là où il y a tous les vilains rats, là, les nouveaux adversaires qu'on va découvrir. Donc on va déjà... On va prendre notre ami Tonfa. On purifie. Super. Voilà, comme ça, on va déjà abattre le baliste.
Allez, on le cherche, on attend qu'il attaque. Yokai purification. Donc là on peut utiliser les balistes. Donc je sais pas si on peut tuer du coup Non, peut-être avec celui-ci. Et il y a un petit Kodoma pas loin. Du coup on a tué une tour. Il y a un petit point vert. Donc j'ai déjà trouvé deux Kodoma pendant le stage, du coup je suis désolé. En plus j'ai effacé les fichiers, j'ai complètement oublié. Donc tant pis, désolé. Ce stage là on n'aura pas toute la localité des Kodoma. Je suis navré. Alors petit Kodoma. Petit Kodoma, il doit être en dessous là je pense. Peut-être là. Ou ici. Non, pas ici. Ouf. Contre yokai, enfin contre explosif ou yokai, bon, on peut dire les deux. Alors là, y a-t-il un petit... Non. Je l'entends, je ne le vois pas. Il doit être... Donc là, on va nettoyer la zone maintenant qu'on a neutralisé le baliste. Contre yokai. Un peu le glaive. J'ai hâte d'avoir le pouvoir mystique sur le tonfa, ça devrait pas tarder parce que depuis le temps que j'utilise. On devrait avoir déjà une bonne expérience avec le tonfa, je pense. Voilà. Ah, il est où notre ami? Notre petit copain. Il est là. Il est là. Voilà, 3. Bon, du coup, j'ai bien fait de recommencer le stage. Vous voyez, comme un idiot, j'ai effacé les... J'ai tout effacé. J'ai pas pensé à garder les parties où je trouve les Kodoma pour les réincruster dans la vidéo, mais... J'étais tellement dégoûté hier d'avoir tout loupé au fur et à mesure que j'ai tout effacé. J'ai perdu au moins 10 fois d'affilée au même endroit. On aurait dit que c'était la première fois que je joue au jeu, quoi. Bon, lui, il va pas me... Ok. Voilà. Donc, des fois, la posture haute... Dans la vidéo conseil, j'ai dit qu'il fallait quand même privilégier la posture moyenne pour économiser du ki. Mais c'est vrai que des fois la posture haute arrive à briser les défenses. Donc ici on a fait... Bon, on a nettoyé la zone. Voilà. Donc première zone nettoyée. Très bien. On se dirige vers la suite. Donc qu'est-ce qu'on fait le passage? Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner? Je sais plus. On va quand même tenter. Allez, confusion. Nous a empoisonné le vilain. Ah, un Kodoma. Voilà. Donc là, un raccourci. Ah, je crois qu'on peut ouvrir un raccourci ici.
Oui, voilà. C'est le raccourci du début. À ne pas oublier. Donc ça nous fait déjà un endroit pour contourner une partie du jeu. Voilà. C'est parce qu'il me semblait qu'il y avait une copine là-haut. On l'enchaîne, on lui laisse pas le temps de bouger. Voilà. Peau gluant. Très bien. Alors, ici, je sais pas. Je sais plus comment on y arrive. On va débloquer, j'imagine, le raccourci après. Donc là, je prends vraiment. J'y vais à pas de souris parce que j'ai voulu aller trop vite hier et. Je me suis fait, mais découper en morceaux. Mais littéralement. Et le problème, c'est quand on perd, comme c'est Kiro ou autre jeu de ce style. Ah ! Voilà, et ça, je le savais, j'ai complètement oublié qu'il y en avait un là, un vilain. Quand on perd plusieurs fois d'affilée, on veut recommencer, on va aller vite. Et ça nous énerve parce qu'on sait qu'on s'est enregistré et que la partie, on va devoir. Enfin, voilà. Faire comme on peut pour que ça ressemble à quelque chose. Contre. Oh, le bon contre. Allez, je finish. Voilà. Et du coup, tu essaies de refaire bien, tu répètes les mêmes choses, etc. Et ça va pas. Je pense que mes camarades youtubeurs me comprennent. Là, voilà, un petit item à récupérer. Sur les toits, des fois, il peut y avoir... Bon, là, c'est une bombe. D'ailleurs, je les utilise même pas. Ça peut sauver la vie aussi, c'est des bombes à jeter sur les ennemis et ça peut les enflammer. Alors ici, on va prendre l'arquebuse. On va pouvoir faire un peu de ménage avant. Allez, on prend l'arc, voilà. Encore une chose que j'avais dit pendant ma vidéo conseil, si on peut, faire un peu le ménage à distance, faut pas hésiter. Donc là on a une baliste, donc là il y a lui qui nous a dénoncé là, qu'on ne peut pas avoir. Je sais pas comment faire, parce que la baliste elle nous a capté. Pareil, on va essayer. Bon là ici normalement on peut pas se faire toucher. Ah, j'ai parlé trop vite. Ok. Donc là il y a un petit truc à faire. Très bien. Ici. Voilà, je vais péter son baril là, lui, il est pas content. On va essayer de le faire approcher un petit peu. Allez. Allez, brûle. Vive le feu. Là c'est pas vive le vent, c'est vive le feu. On va purifier. Même prendre. Parce que là, il y a un vilain ici. Non ! Voilà. Très bien. Donc là, on a un gros vilain. Qu'on va utiliser notre magie. On le ralentit. Ah, loupé. On le ralentit. On l'affaiblit. Non. Allez, on lui envoie tout.
Allez, on brûle, confusion. Voilà. Plus un petit noyau. Grève de shinobi, dragon bouillonnant. Ok. Et il y a un petit coffre. Je crois qu'en fait, je l'ai déjà fait. Depuis cet endroit, on peut normalement le faire péter. D'ailleurs, je vais faire quelque chose. Je vais essayer un truc de fou. Non, on peut pas, bien sûr. Oh, comme c'est mal fait. On peut même pas à distance. Bon bah tant pis. Très bien. Alors, on va essayer à distance quand même d'attirer un ou deux adversaires comme ça. Pour se protéger. Bien sûr. Bien sûr. Lui. Lui, je vais le faire péter. Voilà. Oh. Eh mais ils sont coriaces hein. Honnêtement ils sont très coriaces. Ils sont très très coriaces. Non. Voilà, 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 voilà. Voilà, lui. Voilà. On va aller tuer le baliste. Enfin, avant un autre. Se cachait le petit vilain, se cachait dans les fourrés. Voilà, on le laisse taper. Voilà. Donc comme ça, on va faire péter la tourelle. Voilà. Et je vais vous montrer où on trouve un des Kodoma d'ailleurs. On en trouve un tout de suite ici. Voilà, juste dans l'angle. Juste là il y a un Kodoma. Et en bas il y a le passage éclaira, donc on va essayer d'aller le faire quand même. Allez, on va le laisser brûler lui. Voilà. Donc du coup, eh ben on a tué tout le monde. C'est cool. Avant d'aller faire le passage éclaira, on va aller sauvegarder. Enfin, prendre le point de passage, parce qu'on a un point de passage là tout de suite. Voilà. Donc on va économiser une élixir. Donc pour l'instant on s'en sort bien. Même très bien. Voilà, donc là il y a un passage qui est très très chiant. On prend notre hôtel Kodoma. Voilà. Un noyau d'âme Wera. Je sais pas si on dit comme ça. On va essayer
d'aller voir ce qui se passe là dans le sous-sol en face. Allez, on va voir ce qui se passe. Donc, de toute façon, on a notre hôtel qui est enregistré, enfin, qui est sauvegardé. Enfin, notre point de passage, pardon, notre hôtel. Oh, ça y est, je sais plus parler. Allez, voilà, crame. Bon, il y a lui encore là. Du coup, on lui fait un petit comité d'accueil. Super. Putain, ils ont donné un élixir, donc c'est cool. Très bien. Alors, on va essayer. Je dis bien essayer, donc on prend l'eau pour se purifier, parce que c'est... ces saletés de rats là, ils nous empoisonnent au fur et à mesure. On va prendre les flèches sacrées. Allez, confusion. Je profite de la confusion. Allez, un fruit de la lanterne. J'en ai plein en rab. Allez, lui, la pureté. Confusion. Voilà. Pureté, confusion pour les yokai. Allez, talisman de pureté. Donc là, on en a un, tout de suite. On se purifie avec de l'eau. On va l'enchaîner tout de suite, tout de suite, tout de suite. Vite, je fais pas. C'est pas vrai. Confusion. Oh là là, eh mais ils sont... ces espèces de machins là, ils sont... déjà ils sont dégueulasses. Et ils sont chiants. Ah, est-ce qu'il y avait quelque chose à récupérer? Je sais plus s'il n'y avait pas un petit trésor ou autre. Eau sacrée. Ça, c'est bien. Il n'y a rien au plafond, faut se méfier. Là, faut se méfier, c'était empoisonné. Pureté. On purifie un maximum. Donc là c'est de là où on vient, ok. Comme ça on aura vraiment nettoyé la zone et on aura visité. Non ! Ah là, je fais le fou là. Voilà, c'est bon. Il faut arriver à esquiver les fameuses toiles. Allez, je balance mon serpent. Confusion. Oh là là. Ça va, je m'en sors. Je m'en sors, je m'en sors, je m'en sors. Je m'en sors. Pas trop mal. Même les piottes, elles envoient des... Voilà. Comme ça, on atterrit. Je sais plus exactement où. Ok. Ah, ok. Non, bah non.
Non, je vais pas où je vais pas. Pas besoin, je les ai déjà tués. On s'en va. On récupère un peu de souffle. Allez. Donc voilà, on a visité la zone. C'est cool. Comme ça, on retourne à notre hôtel Kodoma pour la deuxième, on va dire la deuxième partie du jeu. Ah non, je vais pas perdre ici. Un truc comme ça. Ok. Ok. Ok, très bien, je m'en vais. J'ai pas envie, je les ai déjà tués. Voilà. Très bien. Allez, on va essayer de passer ce bout là. On comprend. On va déjà aller tuer le baliste. Parce qu'il y a un baliste. Allez, on n'a rien vu. Voilà. Voilà, comme ça lui, je l'ai attiré loin de son copain. Allez, on va lui foutre la confusion. Boum! Ça c'était beau. Cramer. Est-ce que je peux utiliser ça? Je sais plus. Voilà. Lui, on n'en parle plus. Déjà. On va essayer d'aller tuer le vilain qui nous embête. Il y a de l'huile. Avant. Ah, ils sont beaucoup plus costauds dans le royaume yokai. Hein. Allez. Il y a lui. Non! Il m'agace, il est dans le feu! Sors de là! Voilà. Non mais c'est insupportable, il reste dans le feu quoi. J'arrive à l'exterminer là. Oh super. Non mais là c'est un sketch en fait. Et je tombe dans le feu. Ah, vous êtes moins fort les gars d'un coup, hein. C'est bizarre.
Je joue très mal. Ok. Là j'ai cassé son baril, sinon je brûlais avec lui. Très bien. Pas mal. Pas mal. Donc là, je crois qu'il faut passer par là. Ouvrir un... À moins que je tente le diable directement par ici. Ouais, on va faire comme ça. Purification. Allez, je le ralentis. Je l'affaiblis. Allez. Confusion. Voilà. Exemple. Lui. Viens là, mon kiki. Allez, donne-moi un élixir. Voilà, c'est cool. On va essayer de faire le passage, mais dans l'autre sens. Du coup. Allez, viens. Oh non! Que nul. Voilà. Là on est dans le... dans du poison je crois. Je sais plus, non. Voilà. Là, si je me trompe pas, on va prendre notre copain. Là, on atterrit ici. Voilà. Donc, on va faire le passage là. Essayer de débloquer un raccourci. On arrête. On va arrêter parce que là, sinon, ça va faire vraiment trop long. Allez, on va essayer de bien jouer. Pour l'instant, on s'en sort bien. Je vais prendre un camarade, je prends pas souvent mais là je sens pas donc je prends un ami avec moi. Comme dans Qui veut gagner des millions, je prends le choix d'un... L'appel à un ami, voilà. Allez, je les attire vers nous. Talisman en purification, c'est mon dernier. Mince, dégoûté. Ah, ils sont tous tombés dans le vide. Non! Je m'en vais. Voilà. Voilà. Découpeur de yokai, super. Non! Un blob.
Voilà. C'est bon. C'est bon. Ouf. Donc là, je crois qu'il y a un blob. Allez, on lui fout le feu. Voilà. On n'en parle plus. Non, il n'y a rien. C'est bon. Il y a lui. Et ils veulent pas nous donner un petit comment. Ah, c'est du poison aussi, super. Donc là, je crois qu'il y a. Quelqu'un à rencontrer, voilà. Il faut lui parler. Je meurs de faim. On va lui donner. Boule de fumier. On lui donne à manger des boules de fumier. Non, bah, je croyais qu'il voulait me donner une pierre d'âme normalement. Non, bon, on reviendra, je sais pas, quand il aura décidé de manger plus de boules de fumier. Donc là, on va débloquer. Voilà. Un raccourci. Donc là, je prends pas de risque. J'ai gagné une âme, un noyau d'âme. Très bien, donc je vais pouvoir aller à mon raccourci que j'ai débloqué. On retombe directement au début du jeu et je vais arrêter ma vidéo juste ici parce qu'on aura déjà fait une belle vidéo. Et à la prochaine, on essaie de terminer le stage et on verra si on a le temps de faire une petite mission supplémentaire. Et bah, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite.